Oh, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Franck, je vis en Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler du Mac Mini M1. Bienvenue sur ma chaîne. Vous m'excusez pour la qualité du son, mon micro est en cours de livraison. Alors, en novembre 2020, Apple sortait ses nouveaux ordinateurs, le MacBook Pro, le MacBook Air et le Mac Mini, tous équipés de la puce M1. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le Mac Mini M1. Alors, quand vous recevez le Mac Mini, il est emballé comme ceci. Mac Mini. Alors, je tiens à préciser qu'il s'agit du modèle entrée de gamme, à savoir 8 Go de RAM et 256 Go de disque dur. Alors, là, nous avons le logo de Apple. OK. Sortons notre Mac. Là. Plastique. On va le mettre doucement. Là, nous avons le logo de Apple. Et derrière, c'est écrit Mac Mini. Couleur grise, silver. Là, nous avons ce petit LED qui nous montre que le Mac Mini est en marche lorsque nous le branchons. Et derrière l'appareil, nous avons cette petite bande noire. Donc, derrière notre Mac Mini, nous avons plusieurs sorties. OK. Là, nous avons la sortie pour le câble d'alimentation. Là, nous avons le bouton pour mettre en marche notre Mac Mini. Là, la sortie Ethernet pour connecter le câble, pour se connecter à Internet. Là, nous avons deux ports Thunderbolt, un port HDMI et deux ports USB-A. Et là, nous avons la prise jack pour connecter soit un écouteur, un micro externe. Et là, nous avons une grille de ventilation. Alors, je tiens à préciser qu'il s'agit du Mac Mini entrée de gamme, 256 Go SSD. 8 Go de mémoire, et ce Mac Mini est disponible en version
reconditionné sur le site de Apple. Je vous ai mis le lien en description. Il est aussi disponible en neuf. Voyons voir. Ensuite, dans le carton, nous avons le manuel d'utilisation, je pense. Ok. Avec ces petits autocollants Apple. Nous avons le tableau d'alimentation. Ok. Je tiens à rappeler que ce Mac mini n'est pas fourni avec un clavier ni une souris. Donc, pour l'utiliser, vous allez le brancher à un écran externe. Vous allez acheter une souris et vous allez acheter un clavier. Je ferai un test de ce Mac mini pour vous donner mes impressions. Ok. Cette vidéo est terminée. Je vous souhaite tous une bonne santé et d'ici là, je vous dis hasta la vista.